Elles sont sous les ordres avec Ivanovska qui a volté en dehors et qui a pris un bon départ. Intuition, la favorite également, a pris un excellent départ. La volté, elle aussi, à l'extérieur. Idéal du chêne est parti plutôt à la corde avec Yann Méloise. Quant à Inès Derio, elle est partie lentement, mais elle a perdu un tout petit peu moins de temps qu'elle ne le fait parfois. Elle est à l'arrière du peloton, accompagnée également d'Ilma Korda, alors que Idéal Duchesne tout de suite en action, avec également la lauréate du président Intuition. Ivanovska vient ensuite avec Ilian Mélois. Ces quatre-là, légèrement détachés d'Idola Fedo, avec également Ironie des Ripré. Intuition facilement qui prend la tête pour sortir du premier tour. Non, Idéal Duchesne qui est à la corde avec Ivanovska devant Ilian Mélois, suivi encore par Idola Fedo. En queue de peloton, on a pour le moment Inasti Danica, c'est là, c'est puis également Ilma Korda. Concurrente qui passe devant les tribunes, la favorite est en tête, Intuition, avec une longueur et demie d'avance sur Ivanovska qui progresse sensiblement. Ivanovska qui va peut-être prendre les commandes de l'épreuve pour aborder bientôt le deux derniers kilomètres de cette compétition, avec en troisième position Idéal Duchesne qui effectue aujourd'hui sa rentrée. Idola Fedo, Ilian Méloise qui viennent ensuite. Ironie des Ripré au milieu du peloton, avec également Ironie de Bailly. Et puis progressant à l'extérieur, Inasti Danica. Ivanovska qui a pris l'avantage, qui va dévaler donc la descente devant Intuition qui est dans son sillage. Idéal Duchesne qui est également à la corde, tout comme Ilian Méloise. Un peu plus en dehors, c'est Inasti Danica qui progresse, qui refait un peu de terrain, qui vient à la hauteur d'Idola Fedo. On retrouve plus loin également Ironie des Ripré avec Irina de Bailly. Alexandre Abrivard qui a laissé glisser dans le bas de la descente Ivanovska. On est sur le pied de 9-10 actuellement, à bientôt 1500 mètres de l'arrivée. Ivanovska avec toujours deux longueurs d'avance environ devant Intuition, qui elle-même précède de trois longueurs Idéal Duchesne. On a bien poursuivi l'effort avec Inasti Danica qui est venu se placer toujours en quatrième position, suivi par Ilian Méloise et Idola Fedo. Bientôt la montée. Ivanovska qui imprime son rythme et qui précède toujours Intuition. Idéal Duchesne qui est toujours troisième avec à sa hauteur Inasti Danica, suivi par Iyad Méloise. En queue de peloton, on a toujours Ilma Korda avec Inès Derio également qui vient plutôt à l'arrière-garde. Et on aborde la montée un peu plus de 1200 mètres de l'arrivée. Ivanovska Intuition qui occupe toujours les premières places. Intuition qui s'est décalée du sillage d'Ivanovska pour bientôt aborder le dernier kilomètre avec en troisième position côté corde Idéal Duchesne. Inasti Danica et Iyad Méloise qui viennent ensuite avec Idola Fedo devant Irina de Bailly. Bientôt le haut de la montée, Inès Derio s'annonce. Quitte l'arrière du peloton, Inès Derio, l'une des favorites qui va accélérer et qui vient même très vite, qui va sans doute pouvoir prendre de vitesse les animatrices. Ivanovska qui va tenter de répondre, Intuition au centre qui accélère également pour contrer Inès Derio. On va vite actuellement sur le pied de 10 avec Intuition qui a parfaitement géré l'attaque du numéro 10, Inès Derio. Ivanovska a lâché prise par rapport aux deux premières, mais reste pour l'instant au contact en troisième position, débordée néanmoins par Idéal Duchesne. Ces quatre-là qui sont suivis à plusieurs longueurs par Inasti Danica alors qu'elles abordent le tournant final et qu'Intuition a repris seul les commandes de l'épreuve à maintenant moins de 500 mètres de l'arrivée. Idéal Duchesne est en train de refaire un petit peu de terrain en retrait dans le siège d'Inès Derio, sorti bientôt du tournant final. Intuition est peut-être en train de faire définitivement la différence. Elle a pris plusieurs longueurs à Inès Derio qui est suivie de près par Idéal Duchesne. Ivanovska est en quatrième position à la corde. La ligne d'arrivée pour la favorite Intuition qui est seule en tête. Intuition seule en tête et à distance, la lutte est vive entre Idéal Duchesne et Inès Derio qui lutte pour la deuxième place. Intuition qui file, sauf incident, vers une facile victoire. Idéal Duchesne qui termine bien, qui tente de prendre l'ascendant sur Inès Derio qui tente de répondre avec Intuition qui remporte ce prix Émile Riotto. La deuxième place peut-être pour Inès Derio devant Idéal Duchesne, la quatrième place pour Ivanovska.